And for our first female, on va quand même parler de Noémie Gonzalez, voilà. Hein, qui est bolivienne, qui a 24 she ans. Is a French fighter with a professional MMA on va d'abord écouter la présentation. Of 3 wins and 0 losses. She is 30 years old, weighing in at 61 kilos, fighting out of Yamabushi, Geneva. She is the judo world champion, Morgan Ribot. And now introducing her opponent, fighting out of the blue corner. She is here all the way from Bolivia with a professional record of 0 wins and 1 loss. She is 24 years old, weighing in at 61 kilos, fighting out of Katai Club, Noemi Gonzalez. Alors Noemi Gonzalez, elle était sympa, elle envoie un petit message à son petit ami David et à sa famille, c'était assez mignon lorsqu'on lui fait l'interview. Et remercie bien sûr son coach Chinto Mordillo, qui est un ami depuis très longtemps. Espagne, elle espère gagner ce combat par KO, par point. Et connaissant Morgan, je pense qu'elle va vouloir, également travailler sa boxe. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de le faire sur ses 3 premiers combats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de s'essayer un petit peu plus en boxe, plutôt que d'aller chercher directement le sol. La grande difficulté pour nous, c'est ça, hein, de faire ce petit changement de style, finalement. De style, exact. Ouais, va la chercher là, ça va être compliqué. Hein. Elle va pas rester longtemps debout. Ouais, ouais. Ah, voilà. Ouais. Elle va terminer rapidement si elle gagne comme ça. Voilà, ouais, bim. Super. Elle va chercher. Ah, le boulot, elle était excellent. Belle ouais. Position. Ça va être rapide, ça. Très compliqué pour l'adversaire de sortir d'en bas. Et voilà, j'entends Myriam Lamar qui demande à Morgan de se relever parce qu'elle veut l'avoir boxé. Elle veut l'avoir boxé, c'est l'occasion. Ouais, elle aurait pu. Voilà. Ah ouais, c'est un peu. Allez, Myriam qui est un peu déçue. On aura attendu d'elle qu'elle fasse plus de boxe. Allez, Myriam qui est pas très contente. Hein. C'était l'occasion de faire justement de la boxe, d'aller challenger, d'aller chercher autre chose. Et elle est restée sur son automatique. Sur ce qu'elle sait faire. Ce qui voilà. Est... Selon notre automatique. Mais il faut qu'elle se prépare parce qu'elle est promis à un bel avenir. Donc il faut qu'elle ait quand même que ce genre de combat, qu'elle aille challenger justement. Tu penses pas que c'est aussi un peu dans la tête aussi que ça se passe, c'est un peu aussi. Mais là complètement, mais là bien sûr, ça, là complètement. Voilà. Je pense que la consigne elle est passée, mais une fois au milieu, c'est le naturel qui revient. Eh oui. Et on entendait Myriam, hein. Voilà, elle était en position métier, elle disait Morgan, relève-toi. Personne ne dit ça. Cool, on est là, tu vas finir. Là c'est relève-toi. T'as utilisé un peu de ton judo, c'était ça. Et après t'as pris la menthe, c'est tout, c'était fini. On va l'écouter. Oui, je suis désolée, c'était vraiment pas l'objectif du combat. L'objectif c'était de boxer, mais bon, il y a encore du travail. Et puis, mais je suis contente. Désolée, c'était un peu trop rapide. Désolée. Merci à ma coach, merci à Myriam, à Sacha, à Karl Emery, mon manager qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On pense fort à lui. Voilà. Et puis, voilà, merci à vous tous. J'essaierai de faire un peu plus long la prochaine fois. Très très bien joué. Félicitations.